Y a Johnny Habilis là-bas. Sans déconner. Oh, mais non, arrête. C'est pas le vrai Johnny, c'est son sosie. Tu sais, le mec qui se fait appeler Johnny Roche. Ah purée, oui, il lui ressemble pas des masses en fait. C'est dingue quand même, tous ces fan clubs pour artistes ringardos. Ringardos, Johnny Habilis. C'est le chanteur le plus populaire de la préhistoire. Ce mec a fait plus de tubes que toute la sélection naturelle réunie. Vous savez pas la meilleure? Votre mère est fan de Johnny Habilis. Ben quoi, moi aussi j'adore. Les portes du Crétacé, Retiens l'amibe, c'est vachement puissant comme chanson. C'est épatant de voir comme ce chanteur a évolué à travers les époques. Il a quand même commencé sa carrière en faisant le singe dans Salut les babouins. Moi je me souviens, adolescente, j'écoutais en boucle Le chasseur abandonné. J'en ai encore des frissons rien qu'à y repenser. On n'imagine pas le charisme de Johnny à l'époque. Pas seulement à l'époque, tous ses concerts se jouent encore à guichet fermé. Pardon, mais c'est vraiment le degré zéro de l'évolution. C'est pas parce qu'il a été 18 fois disque de Silex que ça en fait un génie pour autant. C'est vrai, URL, mais il a quand même composé quelques belles chansons. Ouais, à la rigueur, celle qui est pas mal, c'est Quelque chose en nous d'une bactérie. En plein triomphe des idées du front néandertal, c'est courageux de rappeler qu'on a 99% de gènes en commun avec les organismes monocellulaires. C'est la seule chanson un peu engagée qu'il ait faite d'ailleurs. On a tous quelque chose en nous de bactéries, ce désir d'acquérir la vie dédiée, cet ADN comme un modèle réduit, un cytoplasme et puis tellement d'envie. Bravo! J'étais en train de passer sur ma Harley Davidson et je vous ai entendu chanter. Je voulais vous remercier. C'était très beau. Ça m'a beaucoup touché. C'est Johnny! C'est le vrai Johnny! Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Vertèbre et lui, c'est URL. Eh bien, Vertèbre, si vous avez une soirée à tuer, voici deux places pour venir voir mon spectacle à la Grotte de France ce week-end. Good night et vive le rock'n'roll! Heureusement qu'on a été invité, je crois que le billet vaut une blinde. Si en plus tu achètes des lucioles à l'effigie de Johnny et le blouson en peau d'iguanodon avec ses initiales gravées au silex, c'est carrément le budget d'une glaciation. Et t'as vu le prix qu'ils demandent pour un verre de pierre? Et donc c'est une pompe à fric leur concert. Qui va entrer en scène? Sorti au cœur du cratère, resté au carbonifère, brisé la chaîne alimentaire, révolutionné la chaufière. Il suffira d'une étincelle et d'un mot d'amour. Mais pour découvrir un feu et faire danser les singes et les cœurs. Découvrir un feu, découvrir.